On se plaint d'eux, on les critique, on les traite d'infidèles, c'est vrai. Et c'est même parfois justifié. Mais il faut reconnaître qu'on les aime, on a besoin d'eux et on a la chance de les avoir. C'est pourquoi aujourd'hui, mes chères dames, je vais vous demander d'oublier les infidélités, les violences conjugales, vos nombreuses trahisons. Laissez un mot d'amour à ces hommes qu'on aime tant. Oui, l'homme et la femme ne sont pas pareils. L'homme a un grand cœur, il est patient, il est tolérant. L'homme peut se tuer à la tâche pour que sa femme soit traitée comme une princesse. L'homme peut travailler du 1er au 31 pour régler les factures de sa maison sans jamais se plaindre. Mais le jour où c'est la femme qui fait la même chose, elle va se plaindre tous les jours. Elle va rappeler à l'homme comment c'est elle qui a payé ça, ça, ça. Pourtant, cet homme a fait ça pendant plus de 20 ans. Il n'a pas dit un mot. Nous avons la chance de vous avoir. Mes chers hommes, merci de nous aimer. Merci de nous supporter. Merci de faire l'effort d'être parfaits.